أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sommes ici dans le pays Touarçais. Pays Touarçais, c'est en Nouvelle-Aquitaine, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, où il fait très bon vivre, où les gens peuvent avoir un petit espace de jardinage et tout ça. On espère, Inch'Allah, rire, que la communauté musulmane se réveille un peu, Inch'Allah, à savoir qu'elle pense plus à travailler son cerveau qu'à travailler son ventre. Parce que vraiment, il y a du boulot à faire. Quand on voit tous les dégâts qui se passent dans certaines régions, certains lieux dits sensibles, et c'est un peu regrettable. Donc, chers frères, chères sœurs, motivez-vous sincèrement. Apprenez à lire, apprenez à vos enfants à lire, mais à lire intelligemment des livres qui sont nécessaires, utiles à votre foi et utile aussi aux autres, afin de montrer que notre religion n'est pas celle qu'on veuille faire entendre et feuille vert voir, malheureusement, par le comportement de certains qui est nuisible à la communauté musulmane tout entière. Non seulement les humbles de ce monde, mais aussi les grands de ce monde aussi, qui ont des comportements qui sont vraiment indignes, indignes de l'enseignement du dernier des messagers, de l'enseignement de tous les messagers, que ce soit comment Abraham, Ibrahim, Allah et Salam, Youssouf, Joseph, le fils de Yacoub, Jacob, le patriarche, les patriarches, de Moussa, Moïse, de Jésus, Sidna Aïssa, alayhi salam, et de tous ceux qui les ont suivis, ainsi que tous les compagnons du dernier des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il serait bien que nous travaillions en ce sens, que nous sachions lire les livres avec intelligence, non pas avec les yeux, mais avec notre cœur. Sur ce, je vous enjoins tous à vous motiver à ce que dans vos associations, votre centre cultuel et culturel, vous ayez les livres adéquats. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.